Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que l'on parle du trouble bipolaire en 2022, pourquoi le trouble bipolaire fait peur, la question du déni de la maladie, le fait que la bipolarité est encore tabou au sein de la société française. Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis le fondateur de Upstage et on accompagne les personnes bipolaires pour les aider à mieux vivre au quotidien. Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé dans la bipolarité et j'aide les personnes bipolaires à mieux vivre et gérer la bipolarité. Aujourd'hui, on va parler du tabou qui est lié à l'histoire du trouble bipolaire et pourquoi aujourd'hui il est encore perçu comme une peur. On va rentrer dans le vif du sujet, du coup. En fait, aujourd'hui, Julien, si tu veux me décrire comment est-ce qu'on parle de la bipolarité, tu me dirais que c'est comment? Eh bien, je dirais que c'est... La plupart des gens, déjà, utilisent le mot bipolaire pour tout et n'importe quoi. C'est... lui, il est bipolaire parce qu'il prend... Enfin, pour des choses qui sont classiques dans une vie sans maladie, en fait. Et après, on a beaucoup d'utilisation de mots qui sont durs quand même. Il est fou. C'est comme quand on parle d'hôpital psychiatrique, c'est ouais, ils sont cinglés ou des trucs comme ça. Donc, c'est des choses qui sont assez dures à entendre. Et c'est pour ça, c'est en ça que je trouve que c'est assez. Ça fait peur. Les maladies psychiques font peur et la bipolarité aussi, du coup. Et toi, comment tu vois les choses par rapport à ça, toi? Je suis assez d'accord avec toi. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'ai vu Vol au-dessus d'un nid de coucou qui parle justement du sujet des hôpitaux psychiatriques et de la folie. Et c'est en fait vraiment des cas extrêmes. Et quand on entend maladie psychologique, certaines personnes même ne souhaitent pas utiliser ces mots-là, tellement c'est dur et c'est tabou. Je pense même à des personnes qui sont bipolaires, et j'en fais partie. Ça m'arrive plusieurs fois, ou quand je parle par exemple à des psychiatres, de comprendre qu'en fait, quand ils utilisent le terme maladie, ils me demandent si ça me dérange ou pas. Comme si c'était quelque chose qu'il ne fallait pas dire et que ce n'était pas accepté. Il y a des très beaux films sur le sujet de la bipolarité et qui ont tendance un petit peu à inverser la donne. Je pense à Happiness Therapy, qui est vraiment sympa. Il y a des séries comme Homeland, où l'actrice principale est bipolaire. Et c'est vrai que c'est un peu comme lorsqu'on disait t'es PD comme une insulte il y a quelques dizaines d'années, et on commence à changer ça. Aujourd'hui, on va dire un peu t'es bipolaire comme une insulte, parce qu'il y a eu un changement d'humeur. Et je pense que c'est quelque chose qui va changer, et je suis plutôt assez positif là-dessus. Il y a vraiment une prise de conscience dans la société. Et toi, justement, tu as vu des initiatives un petit peu positives sur le sujet ? Moi, j'aime bien le film Mr. Jones. C'est un film qui est assez ancien avec je ne sais plus comment s'appelle son prénom, mais c'est Gere. Gérard Gere, un truc comme ça. Non, je ne pourrais pas t'aider, je veux dire. Ah, bref, il est vachement connu et franchement, il est vraiment cool, ce film. Et il est assez représentatif des états assez extrêmes de la bipolarité. Après, je ne vais pas spoiler le film, mais il est vraiment à aller regarder. Si vous le trouvez, je le conseille véritablement. Mm-hmm. C'était quoi ta question déjà ? C'était justement sur des initiatives, que ça peut être des films, mais ça peut être aussi que ce soit des associations qui justement parlent de la bipolarité de manière un peu plus ouverte et qui sont en train de changer les choses parce que. Finalement, on vit dans une société où on est quand même très drivé par les stars, par les gros films. Et c'est des choses qui ont un impact des fois énorme. Je pense à Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui a plutôt été négatif, même si au moins ils ont osé parler d'un sujet dont on ne parlait pas, mais qui donne cette image de l'extrême, en fait, avec la camisole de force. Et ça existe, on ne va pas se mentir, mais c'est le dernier recours. Et la plupart des personnes qui ont une maladie psychologique, et si on va dans la bipolarité en particulier,
n'ont pas été jusque ces extrêmes. Et si jamais ils y vont, c'est que pour des périodes qui sont souvent très brèves. L'objectif étant toujours de sortir de l'hôpital et ensuite de revenir dans une vie, entre guillemets, adaptée et qui peut être tout à fait classique. C'est vrai qu'il y a. J'ai l'impression que. Enfin, justement, il y a de plus en plus de stars qui en parlent. Et je pense par exemple à Kanye West, l'air de rien, qui a fait tout un album sur le sujet, que je trouve d'ailleurs nul, pour être honnête. Je me suis forcé à essayer de l'écouter, mais c'est pas son meilleur album par rapport à mes goûts, hein, ce ne tient qu'à moi. Mais au moins, il en parle. Et je trouve que c'est important d'avoir des personnes qui ont un certain poids médiatique. Qui justement prennent un peu le flambeau. T'as Catherine Zeta-Jones, t'as Britney Spears aussi. Enfin, c'est des personnes, je pense, Selena Gomez aussi, qui sont quand même des gens qui ont une vraie popularité et qui ont, pour le pas, ouais, qui ont quand même réussi dans leur domaine. Qui sont et lorsqu'ils font un film, lorsqu'ils font une interview, eh ben, il y a des millions de personnes qui regardent. Et c'est ça qui est assez génial de voir que bah, ils prennent un petit peu ce flambeau et généralement ils le font lorsqu'ils ont réussi. Et c'est là où on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'on n'ose pas le faire avant d'avoir un succès généralement et on le fait une fois qu'on a un succès. Et justement, toi, au niveau des initiatives, est-ce que t'en vois d'autres qui sont assez intéressantes? Mais oui, au final, il y a des associations qui sont assez sympas, qui existent, comme la Maison Perchée, on a peut-être déjà parlé. Et il y a aussi des initiatives plus personnelles, des gens qui écrivent des livres à leur compte personnel et qui parlent de la bipolarité, de leur bipolarité. Et il y en existe plusieurs, hein. Moi, je connais, il y a Milly. Milly, alors je sais plus son nom. On mettra le lien en description. Là. Ouais, il y a aussi Jennifer Bouillou qui avait créé un blog et qui maintenant est père aidante, il me semble. Et donc, c'est des livres voilà, qui parlent de bipolarité. Et c'est des belles initiatives parce que ça permet de rendre un peu compte aussi des différentes bipolarités qui existent. Et il n'y a pas qu'une bipolarité. Donc, c'est vraiment intéressant. Quelles sont les initiatives que toi, tu penses qu'il serait bien de mettre en place justement pour apprendre à mieux connaître justement sur ces problèmes qu'on peut vivre? J'en parlais à une réalisatrice de film, et en fait, pour elle, et ce qu'elle a réussi à faire, notamment en Belgique, c'est bah, que les professeurs, notamment pour tout ce qui est primaire, donc, maître et maîtresse, en fait, ils aient une formation sur ces sujets de maladies psychologiques. Et ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, et l'idée, c'est juste qu'ils puissent au moins regarder un film. Histoire d'avoir conscience que, alors généralement, les troubles psychologiques, même si ça peut arriver, hein, mais commencent pas aussitôt, en tout cas pas dans le trouble bipolaire, mais au moins de savoir que certains parents de ces enfants peuvent être atteints et de comprendre en fait ce qu'ils peuvent vivre. Et c'est important en fait dès l'école, dès le primaire, de justement avoir un petit peu comme je pense que c'est le cas actuellement. Ah ben non, tu peux pas dire PD dans la cour de récré, c'est pas bien, et je vais te reprendre. Et un peu cette logique aussi avec ah ben t'es fou, bah non, enfin, il va falloir utiliser une autre expression, et on va et ça va être, je sais pas, mais c'est ce genre de choses qui sont intéressantes, et je pense dès l'enfance, c'est là où tu peux avoir le plus d'impact. Il y a aussi une initiative qui est très bien, qui s'appelle le Psychom, que j'ai rencontré il y a quelques semaines. C'est une association qui, justement, essaie de sortir bah, du tabou des maladies psychologiques. Et ils font pas mal de choses. Ils sont soutenus par Canal+. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine force médiatique. Et il faut reconnaître que bah, ils osent un petit peu plus, avec des choses décalées, un peu drôles, parler de ces sujets. Je repense toujours, moi, j'avais fait du bénévolat chez l'Arche, une association pour les trisomiques. Et en fait, quand on parle avec des personnes trisomiques, ils me disaient tous qu'ils adoraient aller voir des humoristes qui faisaient des blagues sur les trisomiques. Et parce qu'ils m'expliquaient que c'était en fait une manière de relativiser les choses et d'en faire quelque chose de plus léger. Et que c'était tant que c'était pas quelque chose de hargneux ou malsain, parce qu'une insulte, c'est une insulte et c'est pas bien, mais.
Enfin, moi, tu vois, je suis un peu dans cette logique-là où je pense qu'il va y avoir des humoristes qui vont le faire avec beaucoup de finesse. Et c'est bien aussi d'en rire et de relativiser un petit peu les choses. Et du coup, ouais, justement, par rapport à ça, au fait de cette importance de relativiser les choses, pourquoi est-ce que tu penses que le trouble bipolaire, il fait peur aujourd'hui, et que la santé mentale, en général, elle fait peur aujourd'hui, là? Tout simplement parce qu'on vit dans un monde où il faut être parfait. Et on a toujours la même chose qui revient, que ce soit sur les médias, les réseaux sociaux. Il faut avoir un corps parfait, il faut pas avoir de handicap, il faut pas avoir de troubles psychologiques. Et j'exagère, mais il faut être mince, il faut être grand, il faut être fin. Et on est dans cet abattage médiatique et qui est un petit peu malsain, sincèrement, parce que c'est pas le monde qui nous représente. Mais sauf que la plupart des gens aujourd'hui sont addicts à Instagram ou autre, et toute la journée ils voient. Et bon, j'avoue que moi je l'utilise pas, mais je suis déjà allé dessus. Et vraiment, bah, tu vois des filles en bikini toute la journée qui sont parfaites. Et c'est pas le vrai monde. Et même dans la plupart des médias, si tu regardes la plupart des journalistes, la plupart des gens qui passent à la télé, et bah pareil, c'est des gens qui sont maquillés, ou il y a un angle de vue qui est très particulier pour qu'ils soient beaux. Lorsqu'ils font des erreurs ou lorsqu'ils font des insultes, et bah c'est coupé, parce que la plupart des programmes ne sont pas live. Et du coup, tout est parfait, tout est tout beau. Et c'est ça, en fait, on veut pas voir ce qui n'est pas, entre guillemets, intouchable. Et c'est un peu. Et ça change. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Et je le vois grâce aussi à Internet, parce que je parle d'Internet, mais il y a des YouTubeurs, il y a des émissions maintenant où vraiment on peut parler de ces sujets-là, parce qu'on parle à des niches. Et comme on le fait aujourd'hui, enfin, c'est quand même grâce à Internet qu'on peut bah, publier gratuitement sur YouTube et parler d'un sujet de manière approfondie. Et ça n'existait pas, et c'est génial. Et Donc, toi, est-ce que tu as peur, toi, personnellement, d'être vu comme un fou? ouais, ça peut arriver, pour être franc, dans le sens où je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à comprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'en parle pas à tout le monde. Je sais hélas que bah, certaines personnes n'ont toujours pas compris ce que c'était qu'une maladie psychologique, que ce n'était pas un état d'humeur, que c'était, a priori, hein, toutes les études commencent à avancer là-dessus, mais que c'est lié à de la biologie, donc c'est des gènes, c'est des choses qui existent dans notre cerveau et qui sont physiquement existantes et qui sont reconnues par tous les médecins. Il y a un consensus scientifique qui est. Et pourtant, il y a des personnes qui sont encore dans cette logique où, ah ben en fait, non, je ne vois pas que ton bras est cassé, donc ça n'existe pas. Et justement, qu'est-ce qui fait peur dans le trouble bipolaire? Qu'est-ce qui fait peur? Bah c'est la peur de l'inconnu et de la folie. C'est la peur de, je pense, de ne pas savoir comment la personne va réagir, d'avoir quelqu'un qui peut nous blesser. En fait, on peut avoir peur aussi de quelqu'un qui peut-être va avoir un comportement qui va être trop extrême. Mais c'est plus compliqué pour ma part d'en parler. Peut-être que toi, tu as d'autres choses qui te viennent à l'esprit là-dessus, Julien. C'est le côté. Je pense que c'est dès qu'on parle de psychiatre, de psychiatrie, c'est assez mal vu enfin, mal vu entre guillemets dans la société. Du coup, il y a le côté aussi, c'est invisible. En fait, on voit pas concrètement qu'on a un bras cassé, qu'on a une jambe cassée, qu'on est aveugle ou. Enfin, c'est moins concret en tout cas. Donc, je pense que ça fait peur. Et il n'y a pas de test précis aussi médical.
pour déceler une bipolarité autre que bah, une observation des faits, des conséquences qu'il y a eu dans notre vie. Donc c'est un diagnostic qui est principalement oral et qui peut être hasardeux quand même. C'est pas forcément hyper précis. En tout cas, ça peut mettre très longtemps avant de l'être, très précis. Et puis après, il y a aussi le côté en parler, ça fait vraiment peur. En parler aux autres, parce qu'on a cette peur du jugement, on a cette peur de bah, est-ce que les gens ils vont rester avec moi? Moi, j'ai cette problématique de me poser la question par rapport à rencontrer une personne et de vivre avec quelqu'un et de me dire mais comment je vais lui présenter? Enfin, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si voilà, si à un moment donné je suis dans une phase et puis qu'elle n'arrive pas à le comprendre. Enfin, c'est des choses qui sont compliquées à vivre aussi, quoi. Ouais, non, c'est totalement vrai et ça va prendre du temps. Je pense qu'il faut l'accepter. Le diagnostic, et il faut même le reconnaître, est jamais sûr à 100%. Contrairement à d'autres maladies où on a des. Et c'est vrai, mais ça va avancer. Je pense que, par exemple, la série En thérapie, alors que je n'ai pas vu personnellement, mais j'en entends beaucoup parler, commence à. Le Covid, il faut le dire, hein, il y a eu beaucoup plus de problèmes de maladies mentales ou même de personnes qui faisaient des dépressions. On a un petit peu commencé à parler des sujets de santé mentale. Ça commence à être plus accepté. De plus en plus, je peux le voir dans mon entourage, la plupart des gens ont un psy. Et vraiment, c'est quelque chose de communément accepté et que c'est positif. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup d'espoir là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment un changement qui est en train d'être effectué. Et ça va être pour le mieux, parce que quand je vois notamment la différence qu'il peut y avoir aux États-Unis et en France, aux États-Unis, on parle beaucoup plus à son employeur. Et le fait de libérer cette parole, ça facilite énormément l'intégration dans le travail. Et pareil, on va en parler plus facilement à ses proches, à son entourage. Alors, je pense que c'est comme en France, hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Et hélas, enfin, j'ai un ami qui me dit toujours ça. Il me dit, ça sert à rien d'argumenter avec un pigeon. Il va juste chier dessus. Et c'est vrai. Enfin, tu peux pas, en fait. T'as des personnes, ça sert à rien d'aller te battre et aller faire ton. Tu peux essayer de le faire. Et si c'est un ami proche, pourquoi pas. Mais moi, je me rends compte que quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je vais soigner, juger qu'il soit capable ou pas de parler de ce sujet-là. Et je vais avoir aussi ou pas d'en parler. Parce que je n'ai pas envie non plus de passer toute ma vie à chaque fois que je me présente, de dire bonjour, je suis Clément, je suis bipolaire. Je ne le fais pas. Et généralement, oui, ça prend un petit peu de temps avant d'en parler à quelqu'un. Il faut qu'il y ait quand même déjà un petit fit, quelque chose. Intellectuel, généralement. Du coup, justement, on parle du fait que c'est un peu tabou, on parle du fait qu'on a vraiment ce culte du monde parfait. En fait, il y a aussi quelque chose que je trouve assez compliqué, c'est que on a du mal à comprendre les raisons d'avoir une maladie psychologique, voire d'être bipolaire, plus spécifiquement, et pourquoi est-ce qu'on l'est? Et comment est-ce que tu perçois le fait vu qu'on a du mal à comprendre les causes, pourquoi justement ça impacte notre vision de cette maladie? Je comprends pas bien la question. Alors, dans le sens où les causalités de la bipolarité sont assez complexes, il peut y avoir notamment l'aspect génétique. Ça peut être un trouble, un traumatisme, par exemple, dans l'enfance. Ça peut être potentiellement les drogues. Et justement, à ton avis, Julien, pourquoi est-ce que les causalités du trouble bipolaire impactent justement notre image de la bipolarité? Ah, ouais, je pense que c'est parce que c'est des conséquences qu'on peut éviter. Et en fait, les gens, du coup, ils vont nous juger sur les actes qu'on a faits. Et dans un certain sens, des fois, il y a certaines personnes qui vont dire, ah, mais ils le méritent. Alors que c'est un peu comme le fumer va engendrer un cancer.
Ah bah, il a fumé, il mérite d'avoir un cancer. Mmh. Entre guillemets, hein, on va pas dire. Mais il y a un peu de ça. Et quand on a un trouble bipolaire et que ça a été déclenché, que ça soit par un traumatisme, que ça soit par les drogues, et ben les gens ils vont peut-être avoir tendance à se dire, ouais, mais bon, s'il n'avait qu'à pas se droguer finalement. C'est entre guillemets, un juste retour des choses. Mais après, c'est tellement complexe l'apparition de la maladie que faut éviter ce genre de jugement, quoi. Ouais, surtout que c'est très compliqué. Je pense à même ma situation de comprendre les raisons pour lesquelles ben, je suis bipolaire. Et sincèrement, je pense qu'elles sont multiples. Je pense qu'il y a des raisons qui sont génétiques pour ma part. Il peut y avoir aussi le fait que ben, j'ai consommé trop de marijuana lorsque j'étais étudiant. Donc ça a un impact aussi, je le sais, négatif. Et peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être des traumatismes aussi qui ont pu impacter. Ouais, Donc, c'est un cumul de plusieurs conséquences finalement. et c'est différent pour chacun. Je pense qu'il ne faut surtout Ouais. pas prendre une carte et cocher les cases. Mais dans le sens où c'est compliqué, et même moi, j'avoue que j'ai encore un peu cette culpabilité, notamment par rapport au fait d'avoir un peu trop fumé, Ouais, pareil. bah, de me dire, ah ouais, mais... Du coup, bien mérité en fait. Et c'est compliqué, c'est un vrai. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra que j'en parle à mon psychiatre, dans le sens où j'ai encore un peu ça. Et alors que il semblerait que dans mon cas, le critère premier soit génétique. Et que j'ai eu des prédispositions génétiques qui n'ont pas arrangé les choses avec un diagnostic tardif. Le fait d'avoir un diagnostic tardif aussi entraîne généralement une bipolarité qui peut s'aggraver. C'est vrai que c'est une maladie, on n'en parle pas, mais on peut, entre guillemets, empirer cette bipolarité. C'est-à-dire qu'on peut être bipolaire, entre guillemets, de manière assez, faible, si on peut utiliser le terme, même si c'est différent pour chacun, et ça peut s'aggraver. Et c'est vrai que je trouve qu'on en parle d'ailleurs assez peu, et on fait d'ailleurs une conférence avec un ancien gendarme, dans le groupe du Parole, on pourra vous mettre le lien. L'idée, c'est en fait, il y a un moment, les drogues ont un vrai impact. Et ça, je pense que ce serait mentir de dire autrement. Et ça serait bien, d'ailleurs, que l'éducation nationale, j'en reviens à l'éducation des enfants, qui parle toujours des drogues, c'est mal, mais d'expliquer que si vous prenez certaines drogues, vous pouvez avoir une maladie mentale qui se déclenche. Alors, je ne suis pas médecin, mais j'ai cru comprendre en lisant quelques papiers, c'est que, par exemple, tout ce qui va être ecstasy, MDMA, donc c'est des drogues qui peuvent vraiment être déclencheurs. Et on peut se retrouver, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se rendent pas compte que, en fait, ce n'est pas juste anodin, c'est que ça peut faire quelque chose et ça peut être le grain de sable qui va détruire un peu l'engrenage. Et ensuite, il y a un autre sujet qui me semble intéressant, c'est la discrimination. On parle toujours de discrimination de couleur, de sexe, mais il y a aussi potentiellement une discrimination, liée aux maladies mentales. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Julien? Ouais, je pense que bah, comme c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui fait peur. Bah, les personnes peuvent fuir, c'est certaines personnes qui ont un handicap mental, et aussi il peut y avoir une discrimination vis-à-vis du travail, c'est-à-dire que ça soit l'employeur ou les employés, hein, les collègues, bah, ils vont avoir des comportements qui sont discriminants avec la personne qui a un handicap mental. Quand c'est su finalement, parce que la plupart du temps on essaye d'éviter de le dire jusqu'au moment où on n'a plus le choix finalement. Mais après en France on peut pas licencier pour avoir un handicap à cause d'un handicap. Mais bon, enfin c'est toujours compliqué. C'est des situations qui sont complexes quand ça arrive. Il peut y avoir des recherches de
de licenciement pour autre cause que le handicap, mais finalement, ce qui est sous-jacent, c'est le handicap. Ouais, c'est hyper important, hein. Moi, je pense à ce sujet parce que bah, j'ai travaillé dans le privé toute ma vie et le fait de dire publiquement que je suis bipolaire fait très peur, par exemple, à ma mère. Parce qu'elle a peur que le fait de le dire, je sois stigmatisé. Et que ça puisse me causer bah, un certain nombre de discriminations et de problématiques dans le futur. Et c'est un vrai sujet, et j'avais peur de le dire publiquement, notamment à mon réseau, dans le sens où j'avais ce côté où je vais être perçu différemment, et peut-être que certaines personnes ne voudront pas travailler avec moi parce que je suis bipolaire. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'on va en parler plus, dans le sens où hélas, le taux de chômage est extrêmement élevé chez les personnes bipolaires, notamment qui sont déclarées. C'est de l'ordre de 60%, si on prend les chiffres de l'UNAFAM, je crois que c'est en 2021. Et c'est important de pouvoir transformer ça. Et c'est un sujet, en tout cas, qui me tient aussi à cœur. Il y a le fait d'être discriminé aussi, on en parle assez peu, hein, mais dans tout ce qui est emprunt, tout ce qui est assurance, c'est des choses qui ne sont pas vraiment légales, mais dans les faits qui existent. Et c'est des combats à mener, mais dans le sens où voilà, ça va venir petit à petit. Je pense que ça ne sera pas du jour au lendemain. Et pour autant, il y a de l'espoir. Moi, je vois quand même beaucoup de choses positives, notamment dans la manière d'en parler. Et n'oublions pas qu'en France, on a la chance aussi pour les grandes entreprises d'avoir ces 6% de travailleurs handicapés. Et ils ont cette obligation légale. Si elle n'est pas respectée, ils doivent payer des amendes. Et peut-être que ça deviendra un avantage aussi pour trouver un emploi. Il faut espérer justement un peu de la discrimination positive, comme on dit. On verra un petit peu. Est-ce que toi, tu as peut-être des choses à ajouter sur. Non, 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 pas particulièrement. Et ce que je te propose, c'est de faire un résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui, clairement. Donc, ben, en fait, aujourd'hui, on a parlé du trouble bipolaire et du fait que c'est encore tabou en 2022. C'est dur à entendre et on aimerait que tout le monde comprenne, mais c'est vrai qu'on vit dans une société où on a cette espérance et cette image de la personne parfaite qui nous est relayée par les réseaux sociaux, qui nous est relayée par la télévision et d'autres médias. Où il faut être beau, il faut être intelligent, il faut être fin, il faut ne pas avoir de problèmes psychologiques, il ne faut pas avoir de handicap. Et cette image, elle est vraiment contrebalancée par des choses aussi positives. Et ça va prendre de toute manière énormément de temps, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a des films, il y a des séries. Regardez Happiness Therapy qui est très bien, regardez En Thérapie qui parle un petit peu plus de ces sujets et qui vont justement commencer à transformer les mentalités. S'il y avait quelque chose, moi, qui me semble très important, ça va être d'en parler dans l'éducation, dans le programme scolaire. Je vais en parler avec une réalisatrice et notamment d'éduquer les professeurs pour qu'ils puissent comprendre les maladies psychologiques et donc éduquer les enfants. Comme on le fait sur la plupart des sujets, l'éducation, c'est la base, comme on dit. Et puis, il y a d'autres initiatives que je trouve très bien, que ce soit de stars, je pense à Kanye West, je pense aussi à des associations qui sont soutenues, comme Psycom, qui vont justement prendre le flambeau et parler de ces sujets-là dans les médias, avec une tonalité qui est pour expliquer les choses, pas justement pour insulter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dire il est bipolaire, c'est encore une insulte. Et il y a encore beaucoup de personnes qui vont l'utiliser à tort et à travers, ou même qui vont penser diagnostiquer quelqu'un, ce que je trouve un peu hallucinant, en disant « Ah ouais, lui, je pense qu'il est bipolaire. » Et on a tendance à l'oublier, mais le trouble bipolaire, du coup, il est diagnostiqué par un psychiatre. Ce qui est très dur, c'est qu'il n'y a pas de test sanguin, il n'y a pas de test d'ADN qui permettent de savoir aujourd'hui
qu'on est bipolaire. Et c'est cette difficulté à mettre un mot à 100% qui peut aussi entraîner un certain doute et que certaines personnes ne comprennent pas encore ce que c'est qu'une maladie psychologique et ne veulent pas comprendre parce que c'est pas beau, c'est pas parfait et donc ils veulent pas le voir. Mais ça va changer et c'est en train de changer. Le fait de plus être vu comme un fou, mais d'être vu comme quelqu'un qui est en fait tout simplement différent, avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc, il y a une manière de voir les choses qui n'est pas identique. Et heureusement qu'on a cette différence, sinon ça serait ennuyeux. Quand je vois le nombre d'artistes qui sont bipolaires, sincèrement, l'art serait assez pauvre. J'exagère un petit peu, mais serait assez pauvre sans ces maladies aussi. C'est heureusement qu'on a cette autre vision du monde et c'est en fait quelque chose qui donne un peu de l'espoir. Ce qu'on voit aussi, c'est que il y a beaucoup de causes pour devenir bipolaire parce que ça peut être génétique, ça peut être lié aux drogues, ça peut être lié à un traumatisme. Et ça, c'est des choses qui sont un peu difficiles à accepter dans le sens où on ne sait jamais trop pourquoi quelqu'un est bipolaire. Et ça, ça entraîne en fait un certain doute et des fois une certaine culpabilité de dire à des personnes, en fait, bien fait pour toi. Et c'est vrai que c'est une horreur, mais on va passer outre. Hein. Ça va être par la parole et par ce qu'on fait hein, que les gens vont se rendre compte de ce que c'est et vont se rendre compte aussi qu'ils ont probablement des proches qui ont une maladie psychologique, qui sont bipolaires. Je crois qu'en France, c'est de l'ordre de plusieurs millions de personnes qui sont bipolaires et près d'une personne sur cinq qui a une maladie psychologique. Et donc, en fait, on a quasiment tous un cousin, une sœur, un père, un ami. Et c'est vrai que c'est par le dialogue que ça va changer et qu'on va éviter des discriminations qui vont être généralement dans le travail, dans l'accès à l'emprunt. Et du coup, n'hésitez pas à montrer aussi cette vidéo peut-être à certains de vos proches qui peuvent avoir du mal à accepter votre trouble bipolaire. Ça peut être votre famille, mais ça peut être des amis. Peut-être que ça les aidera à mieux comprendre. Et puis, vraiment, pour terminer, de dire que je trouve que les choses avancent bien et dans le bon sens et qu'il y a vraiment de l'espoir sur le sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire un petit peu comment vous avez vécu vos différentes expériences. Comment vous en parlez à vos proches et comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que c'est encore un tabou dans votre famille ou pas? Et n'hésitez pas à aimer la vidéo ou mettre une note aussi sur tout ce qui va être sur la plateforme de podcast. Je vous remercie pour votre temps et je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt, ciao! Ciao!